Ih. Voilà, je les ai toutes. Je me pars d'ici. Et je vais voir la fée là, la pute. Allez, c'est parti. Par où déjà? Là-bas. Wesh la lune. Et tu peux le faire, tu peux le faire. T'es un voyant toi. Alors. Ouais, je te vole ta place. Coucou les fées. Ouais, je vous ramène à la maison. Toujours ce rire de pute, hein. Toujours, hein. Les pieds. Envoie la technique, envoie la technique. L'attaque cyclone. Charger l'épée d'un ennemi. Ouais, c'est bon, je sais c'est quoi. Il y avait 14 ans, je la faisais celle-là. Ah, non, j'ai pas envie de revenir te voir. Hein. Pas que ça à faire. Bon. Voilà, j'ai récupéré les flés. Je suis tranquille. Elle est dans le village. Dans le village. Parce que dès que j'ai battu le boss, je me mets à la recherche des fées. Ça va être un truc chiant trouvé. Merde, bordel. Putain, bordel. Casse-toi. C'est pas là, non, c'est pas là. Je sais plus. C'est... Si c'est là. Magnifique. En plus. Je me rappelle plus ce qu'elle me donnait par contre. Oh putain, une blonde en plus. Hey, hey. Oh putain, la fée. Ah ouais. Cette épée là, aïe aïe aïe. Machin, machin. Putain, cette épée là, je m'en rappelle. Elle fait mal. Ouais, la puissance des fées, elle fait mal cette épée. Je m'en rappelle. Avec Majora, Majora, tu le bannes 2 secondes avec cette épée.
Oh, c'est fini avec les motos là. Impeccable. Je tourne en rond pour cette entrée là. Oh, et rentrez chez vous et cassez plus les couilles. Sois tranquille maintenant. Putain, cheveux vertes. Cheveux rouges. Cheveux jaunes. Cyan. Cheveux vertes crasseuses. Buisson. Et l'autre, ça va être quoi? Ouh, ça fait plaisir ça. Bon, je peux rentrer à ma maison? Merci. Je m'en fous de l'épée d'or. Le son lag. Comment ça, le son lag? Je vois pas encore comment le son pourrait bugger. J'étais le premier à t'en plaindre, hein, perso. Magnifique! Alors, hop. Par contre, je vais vite me prendre ça rapide. Non. Ouais bon, même passage. Ça sert à rien que je pète l'autre, mais bon, c'est pareil. Ça marche là. T'inquiète pas, ça fait ça à chaque fois sur Twitch, à tout le monde ça le fait. Enfin, à la plupart du monde. Voilà, les 15 fées, allez, donne-moi mon pouvoir, que je me casse de là. Je réglerai tes comptes avec Skull Kid quand j'aurai battu Majora. Mais bon... Hein. J'ai faim et j'ai soif. J'ai tous les malheurs du monde là. En fait, je t'offre mon pouvoir. Oh,
Voilà, plus de résistance, magnifique. Donc, du coup, l'effet c'est fait. Boss, il me manque Majora, que je ferai en dernier. Les masques c'est fait. Il me manque les cœurs. Et ah oui, il me manque deux petits trucs à faire avant d'enchaîner les cœurs. Je vais d'abord reset tout. Je vais la défoncer elle. Tournoi aussi. Tournoi de quoi? Les motos de Marseille passent devant chez moi, c'est abusé. Bon, ouais, j'ai ça. Ah, et du coup, je dois me reprendre les cartes aussi. La flemme de tout refaire, c'est abusé. Quelle flemme. À toi, t'as intérêt de me donner un pouvoir déjà. J'ai recommencé le truc exprès. Machin, machin, ouais, donne-moi donne-moi un pouvoir à manger, donne-moi manger, un kebab. Ah ouais, mais j'ai une flemme, c'est abusé. Merci. Il me donne un masque. D'accord, ouais, un masque qui sert même pas à rien. Utilisé pour attirer des fées égarées. Ok. C'est des fées tout moches. Moi j'avoue, elle est vilaine. Comparé aux fées de Ocarina of Time, c'est différent. Ok, bon. Hey, venez tous là, les poulettes. Enfin, les futures poulettes. Ah, Phil Engine. Good. Et bon, on se transforme.
Eh ben, le bordel. Hey! Merci. Voilà, c'est là où j'étais tout à l'heure. Bonjour. Oh. Ça c'est pas mal, ça masse aiguise vos capacités d'olfactive. Tu veux de la musique? Alors, attends, c'est quelle musique que je vais jouer? Je sens de l'apaisement. Tu veux du Joule? Mais t'en faut peu pour tomber dans les pommes, toi. Ça, c'est censé être des larmes, ça? C'est quoi ça? Ah ouais. Je sais pas si c'est des larmes ou le fait qu'il invoque le pouvoir pour le masque, mais... Je sais pas. Je sais pas du tout là. Voilà, merci. Oh, le voisin. Faut que j'ai raison. La tombe, elle est là, la mamie. Coucou. Enfin. Elle se balade à minuit, elle. Ce bâtard. Albater. Et hop, tu dégages. Ah, que je te revois plus. Eh ben putain, ça a mis la cinématique du temps là. Prends le sac. Merci beaucoup, grâce à toi. On va enfin avoir des sacs de bombes au magasin. Peut-être que je les vendrai demain. Oui. Un masque dangereux. Mais peut-être pourras-tu l'utiliser pour faire ton propre feu d'artifice au carnaval demain. Wouah, le graphisme du masque, il a disparu là. Alors. Ah, le graphisme du masque, il a disparu. Mmh.
Hey. Bam, 13h pile. Ah, il est là le Jérôme. D'accord, alors. Ok, bon, vas-y, rends-moi... passe-moi mon masque, je m'en fous de la bouteille. J'en croyais pas mes yeux. Je lui ai donné ce masque parce que ça fait longtemps quand j'étais petit. Quand c'était un petit café. Je sais pas qu'il avait gardé si longtemps. Je sais pas trop pourquoi, mais j'ai envie de te donner ça. Yeah! Enfin! Ce masque, c'était un service à café. Il est fatigué, il a dit. Mais je sais qu'il y a un moyen pour la skipper, cette cinématique-là. Le masque direct, je sauvegarde, je cherche même pas à comprendre. Pika, oui, pourquoi pas, mais bon. Je préfère ça à la mèche alors. Non mais en termes de Nintendo, pas dans Pokémon. Non, Pokémon c'est pas Pillusion mon préféré. Mais en termes de Nintendo, Pikachu il est classé dans le top 5 pour moi. Après chacun son truc, pour moi c'est une souris. Une souris jaune. Hein. Tant qu'elle casse pas les couilles comme le chien du voisin, là, ça va. Et continue le chien en plus, s'arrête pas. Il va mourir dans pas longtemps là. Allez. Hein. Les oiseaux, on va fermer un peu. Oui mon capi chef. Tu imagines, tu as l'armée, ton
Ton chef, tu l'appelles oui mon capi chef. Ou ton capitaine, tu l'appelles oui mon capi chef. T'imagines si tu mets pas un revers là. Alors. Mais tu resélectionnes, tu vois. Ouais, faut le grappin obligatoire quoi. Lol. Enfin, ah, j'ai tranquille maintenant. Good. C'est ça. Ouais, la moto. Ouais, faire la course, je vais gagner. Je vais pas vous plier à vous deux ensemble. Je suis champion Mario Kart, moi. Allez, voilà, allez. Putain, mais je suis plus là. Vous avez raison de tourner, moi, je vais tout voir. Allez, carotte. Oui, mais c'est bien ça. Moins d'une minute en plus. Joli. Premier, moins d'une minute. Allez, baffe pas, donne-moi mon masque. Masque de ninja, wesh. Voilà, déjà, on va descendre. Il est là, mon ami. Il est là. Non. Ah, ça. Je sais pas. Hein. Ah, enfin. Il est pas que c'est... Je suis surpris, t'es la première personne qui me parle. Je suis ici depuis des années. Je bouge mes bras dans tous les sens comme un dingue. Et tout le monde semble m'ignorer. Parce que je suis intéressant, pompier, je suis pas enfin, je suis habitué. Un service à demander, pourrais-tu me donner un truc pour que les gars, un gars aussi anodin, sur plein d'énergie. Cadeau. Ah, c'est ça. Ouais, bah avale la bouteille, t'as raison. Je me sens mieux. Merci, tiens, en récompense. Merci. Hey. Ah non, faut pas revenir. Oui, je l'ai eu. Deuxième chance, je l'ai eu. Impec. Allez, il est où? Un morceau de poulet. Le poulet bretzé. Allez.
Elle est où cette fontaine? Non, c'est pas là, c'est en face, ouais, c'est en face. Ah oui, c'est là-bas. Yuyu. Oh, devant les pieds. Pendant 4 heures, mais je préférais le faire maintenant enfin. Hey, 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 je m'en fous, c'est bon, tu m'as passé le masque, je m'en vais. Merci. Où ce cheval là? Merde, c'est quoi déjà ce... Que le vent qui souffle autour de nous soit digne d'un rocher. Que le vent traverse le monde. Je savais qu'il y avait le mot vent déjà. Je sais pas pourquoi je le sentais. Bon. Ah, masque de Camaro. Bang. Putain, je me rappelle même plus, j'ai trop la mémoire courte. Voilà. Bon, moi j'ai ce masque. C'est bon. Fin de plus. Ah ouais, pas con. Pas con du tout. Yes, merci. Tu me sauves la vie là. Bon, je sais que tu le diras pas que t'as regardé sur internet, mais voilà, je dis ça, je dirais. Là, t'as géré, mais tu m'as dit comment faire. Enfin. Et fais pas genre, hein. T'as regardé sur internet, fais pas genre. J'y avais pas pensé la roulade. J'y avais pas pensé du tout. Ah, je viens de comprendre. Le truc qui me bloquait à l'entrée invisible, c'était son corps. Qui était déjà mis mais pas visible. C'est ça qui me bloquait en fait à l'entrée. Même pas regarder en plus. Genre. Voilà, bon, j'ai ce masque, enfin.
Tu es prêt, petit garçon? Il y a la petite fille et le jeune garçon. Je vais essayer de me sortir de là aussi vite que possible. Si jamais des poursuivants viennent par derrière, repousse-les avec tes flèches. Non, non, machin, machin. Oui. Allez, c'est parti. Merci, je te fais confiance. Bah, eux, je vais les charcuter. Allez, venez. Faut peur à qui, là? Personne. Eh, tu te casses, toi, déjà. Eh, dégage. Dégagez. C'est les deux frères, ça va, je les ai reconnus. Ils sont pas de chez eux. Casse-toi. Eh, dégagez. Eh, mais non. Eh, mais ça leur fait rien. Mais ça leur fait rien. Dégage. Toi aussi, casse-toi. Dégagez tous les deux. À la guerre comme à la guerre. Il n'y a pas de chevaux qui tient. Je nique vos chevaux aussi. Hein. Casse-toi, putain. Il casse les trucs. Non. Non. Casse-toi. Cassez-vous. Ils ont cassé un litre. Bordel. Mais non, mais dégage. C'est les deux frères. Je les ai reconnus. Casse-toi. Putain, ils ont cassé un pot de lait. Et c'est bizarre parce que normalement, leur tirant dessus, ça les fait reculer d'un pas. Et là, ça les faisait pas reculer. C'est trop bizarre. Ah, il y a les trois. Allez, ça va. C'est comme s'il y avait rien. Très content de recevoir la première livraison. Merci, excellent. Alors, je suis pour te remercier. Oui, masque de vache. Il y a des trucs comme ça que je connais pas, j'ai peur de me manquer. En fait, j'ai réussi le niveau du mec. Dommage, ça fait pas apprendre un chant invisible, je sais pas. Un chant bizarre. Il est toujours pas content. Ah mais il va pas me passer son masque de sa tête là. Le masque d'Halloween je l'appelle. Ok, good. Directeur de cirque. Bon, moi j'en ai un de plus. Ça. Good. Putain, Link, lâche, lâche ça. Lâche, ça va exploser. D'accord. D'accord. Voilà. C'est pas la clé du boss, ça, je pense. Attends. C'est pas la clé du boss, ça, non? Ah si, je crois. Yuyu a dit que... Et bonjour, et Yuyu à... Alza Game, j'avais pas vu, désolé. Oh, j'ai reçu le masque déjà, magnifique. Ah mais il est là mon masque. Thank you.
Y a même pas les yeux. Hey, la casquette, la casquette. Tu rentres pas, ta femme, je te la vole. Non, non, prends la poupée, toi. Ces manières à très très longtemps, oui. Nous étions encore jeunes, nous avons fait un serment. Le masque de soleil et de la lune. On nous a changé le jour au carnaval. Je suis désolé d'être en retard. Elle est venue à la maison. Pédophile. C'est une pédophile, elle. Ils sont amants, non, je m'étonne. Ils ont plutôt une mère, l'avatar. C'est une pute, on dirait plutôt une mère, en fait. Changeons le masque. Ça va changer nos voeux, faisons un couple désormais. Tu es notre témoin. Fais-nous honneur d'accepter ce masque. Le masque des amoureux. Lol. Viens avec nous. C'est un beau refuge. On est si bien. Qu'est-ce que je dis? Oh mais qu'est-ce qu'ils ont? Voilà. Qu'est-ce que c'est lent et ponant. Tu vas pas m'aider là parce que c'est beaucoup trop lent. Là. Non, jamais. Et je la mettrai jamais. Bah du coup, si je parle au gamin là, est-ce qu'il va me donner le masque? Le masque de la fraternité. Eh, PD, hein. Ça fait du mal à tout le monde là. Pourquoi? Tiens, suppose-toi. Est-ce qu'il va me le donner le masque? Attends. Non, je saline, tu vas aller faire ça. Tout le monde est parti. Et tu joues avec moi. Encore, même qui veut jouer. L'esprit du masque. Good. Sors les méchants. Oh là là, Link, ça, c'est quoi les... Eh ben Link, tu n'es pas réveillé, toi. Igor, Igor de Sgor. Voilà, j'ai compris. Ah, c'est bientôt la fin, bordel. Igor, viens là. Voilà. Viens là. C'est bientôt la fin du monde. Ok, j'ai rassemblé toute flamme bleue.
d'accord, va falloir le pêcher, ouais, c'est déjà des fantômes. Et comme s'il me faisait peur à moi. J'ai pas les flèches. Merci Link, hein. Merci, hein. Wow, c'est son nom. Allez, descends. Viens battre en boîte, viens. Viens battre en boîte. T'es où? T'es où? J'aurais dû le faire avant. L'autre s'est taillé, il voit pas, mais il s'est taillé, il a pris la bonne sortie. Hein. Il est où? Bon, par ça, combien de flèches je te fais toi? Ouais, dégage-moi. Allez hop, tu dégages. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? La bouteille? C'est la Taibou. Manon Taibou. Oui, la sixième, magnifique. Eh ben voilà, j'ai les six. C'est bien ça. Voilà, on fait la manœuvre pas déconner. Oui, c'est fait. Hey! Thank you, Omar. Thank you.
Eh ben cassez-vous les corbeaux, hein. Ça va que dalle de toute façon. Parfait! Hey! Magique! Magnifique! Faut arrêter de rêver un peu, faut arrêter. Qui rêve, il rêve là. Enfin, c'est chiant, hein, c'est pas que, mais c'était chiant votre jeu là, quoi. Tenez ce qu'on va faire, partager ma joie. Ouais, c'est normal. Handicapé! Oh là là! Pourquoi il a sauté dans l'eau, Link? N'importe quoi! Ouais, ça c'est pas... Il n'est pas difficile ce jeu-là. C'est difficile, mais je commence quand même. Pas lancer un mur. Mais non, pfff. Allez, dernière épreuve. Oh, fermez-la les voisins. Pas sûr. Si c'est avec l'arc, ça va être facile. Ah ouais, d'accord. Le ciel bouge. Oula. Oula. Ah. Je tire dessus. Dans la tête. La tête. Mais tire. Oh là là. Un coup cet arc. Dégagez.
raté. Oh, dans la tête, je l'ai tiré à l'autre. Ah, magnifique. Magnifique. C'est beau ça. Bon. Allez. Et hier, t'as vu le jeu qu'il y a dans la forêt avec les flèches. Hier, je me suis dit, je le fais 2-3 fois. Si je le réussis pas, c'est pas grave. Bon, on ferait bien en tout cas. Mais du premier coup, je l'ai réussi. 2200 points, j'ai vu. Alors que là, lui, c'est... J'ai beau faire tous les essais que je veux, j'y arrive pas du tout. Garder son calme. J'ai pas regardé ce moment. Ouais, c'était... Ouais, tu étais parti... Ouais, c'était un peu plus tard que tu es parti. Ouf, j'ai cru que j'allais toucher le bleu. Allez, allez, la dernière vague. Oui! Oh putain, j'ai réussi! Oh! Oh putain! Oh putain, enfin! Hein. Ah, c'est grave! Ah, pour jouer à ce jeu, il faut savoir jouer à tous les Call of Duty, ça c'est sûr. À Battlefield, à Overwatch, tout ce que tu veux. Là. Alors là, c'est le sniper à la perfection, là, le truc. Enfin ! Voilà, tous les quarts de cœur. Là, je m'en fais de ce jeu. J'en ai marre. Allez, je vais boire un café au bar là, en face. Téléphone, qu'est-ce que tu as? Tu l'as fait avec l'armure magique? Ouais, avec le masque. Voilà, je termine. Enfin, j'ai envie de dire. Oh, du nouveau jour. C'est plus la fin du monde. Je vais pouvoir aller au pute. J'ai tous les rubis dans la banque. Hein? Après. Chose téléphone. Le shit, pourquoi le shit, c'est il me le donne, pourquoi ne pas l'utiliser, profiter des bonnes actions qu'il me donne, hein, pour une fois. Mais pourquoi c'est... Téléphone de merde, pourquoi tu veux pas envoyer des messages? Bon, prochain Zelda, A Link to the Past. Celui-là, je vais me régaler par contre.
Eric Pletel, ouais, je sais pas ce qu'il a, il écrit les messages, etc. Mais sur la touche envoyée, je sais pas. Je sais pas si c'est le tactile qui fait ça ou s'il y a un souci avec. Je sais pas. Tu n'as pas le bon doigté. Non, c'est le tactile, rien à voir. Faut être dextril. Hein? Faut être dextril. Dextril? C'est quoi ça? Putain, le jeu, je l'ai terminé avant que je parte. Ça, c'est beau, ça. Je sais pas si ça te dit. Ça se dit comme ça. Je sais pas du tout. Dextril, j'ai jamais entendu ce mot-là. De la dextérité, oui, ce mot là je connais, mais dextril je connais pas. Comme moi je suis dextril. Bon, ça je ne sais plus. Tu sais pas, mais tu le redis. Goodbye le magicien. Enfin le masque, le masquien, je sais pas comment on l'appelle. Comment ça s'appelle un vendeur de masques? Dans son métier vendeur, mais je sais pas moi, genre un pompier, une pompiste, pompiste. Vendeur de masques, pompiste. Ah, je les appelle comme ça. Je crois que je vois les pompiers, je les appelle les pompistes. Les pompistes, ça pompe les pistes. Et les pompiers, ça pompe les pieds. Là, je vais arrêter avec les blagues de merde. Un vendeur à la sauvette. Sauveste. Un vendeur à la sauveste. Ça vend des vestes, ça. Voilà, le générique de fin. Je peux poser la manette. Enfin, le jeu à 100%. Ça, c'est fini. Je sais pas quand je ferai Link to the Past par contre. Je sais pas du tout. Quel connard de correcteur. T'inquiète, ça m'arrive. Ouais, j'avais compris, t'inquiète. Bon, je me suis bien amusé sur ce jeu, mis à part un quart de cœur qui m'a bien fait chier.
tu es pour ou contre la théorie de ce Zelda avec les masques ou parce que je dirais non. Sans Zelda, pour moi, c'est pas un Zelda. Pour moi, je crois que ça s'appelle The Legend of Zelda. Si il n'y a pas Zelda dans le jeu, donc pour moi, c'est pas un Zelda, tu vois, c'est un hors-série. Comme quoi, Link est mort. Non, mais c'est du n'importe quoi, ça, Link est mort. Il est pas mort. Il est pas mort. On le voit à la fin d'Ocarina of Time qui retourne dans le passé, qui redevient petit. Donc il continue son chemin, forcément. Il est pas mort, Link, rien à voir. Faut pas écouter les théoristes que lâchent les gens sur YouTube. Je crois que Nintendo il aurait dit depuis longtemps que Link serait mort sinon. Il est fait. C'est pas timeline, c'est ça même que je parle. De quoi que Link est mort. Le timeline 3. Link perd contre Ganondorf. Ben non. Non, carré, non. Alors juste une chose, comment tu m'expliques Stalfos de TP. C'est quoi ta maline? Je connais pas ce mot. Mais faut arrêter, faut vraiment arrêter ce que disent les gens sur YouTube, Internet, etc. Des théories, c'est juste des avis sans confirmation. C'est même la base, je dirais. Mais voilà quoi, faut pas écouter. Faut avoir son avis soi-même, hein. C'est pas... Oh, le mariage entre Café et Anju. Anji ou Anju, je sais plus comment ça s'appelle. Anji. Ah oui, c'est vrai que j'avais complètement oublié. Dès qu'on a le masque des amoureux, il y a cette cinématique qui s'affiche dans le générique. D'habitude, elle y est pas quand on finit le jeu sans avoir le masque. Yo yo chacha. Comment c'est de ligne de la vie. Ah ben je sais pas. En tout cas. Voilà quoi. Je sais, mais j'ai pensé ça avant de voir les théories. Ah mais faut. Je vous conseille déjà d'arrêter d'écouter les théories à la con qu'il y a sur YouTube. Combien j'en ai vu sur One Piece qui sont faux. Tu vois. Alors sur Zelda c'est pareil. Hein. Combien j'en ai vu qui sont faux, genre Link est mort. Rien à voir. Après que Link est revenu dans le passé, dès qu'il a battu Ganondorf, il est allé chercher Epona et il s'est baladé. Et c'est ce qu'il a fait Ocarina, c'est ce qu'il a fait Majora's justement. Enfin, c'est très logique même, je dirais. Et voilà, bon, le jeu est à 100%, le jeu est enfin terminé. Ah, c'était vieille musique d'Ocarina. Et voilà, moi, sur ce, je ferai A Link to the Past la prochaine fois.